Bien, nous vous proposons de démarrer avec Vincent Calvet cette première session des actualités de la NRS en recherche. Donc bonjour, on va se présenter très rapidement. Donc moi je suis François-Yves Cosset, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis virologue et mes travaux de recherche fondamentale visent à décrypter les mécanismes de persistance sur les virus d'hépatite C, B et Delta. J'étais ravi tout à l'heure d'entendre les cliniciens de la NRS défendre avec autant d'ardeur la recherche fondamentale à la NRS et sa nécessité. Mais ayant dit ça, je suis également, mes travaux sont également très portés sur la recherche translationnelle, notamment sur la recherche technologie d'ingénierie virale en thérapie génique et en immunothérapie dans le champ d'application des hépatites notamment. Donc je suis également le fondateur et le directeur du CIRI, le Centre international de recherche en infectiologie à Lyon. Je dirige également le LabEx EcoFect sur la dynamique éco-évolutive des maladies infectieuses. Et enfin, pour terminer, au niveau de la NRS, je suis le coordinateur du bureau de l'AC42 qui s'intéresse à la recherche fondamentale et translationnelle sur les hépatites virales. Voilà, j'ai la parole de Vincent pour se présenter. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Calvet, je suis virologue à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et dans l'université Sorbonne-Université. Je suis investi dans la recherche sur la résistance aux antirétroviraux depuis 25 ans maintenant cette année. Je suis à la NRS président de l'action coordonnée numéro 43, qui est une action coordonnée qui est centrée sur la virologie médicale. Et donc, je m'intéresse donc aux antirétroviraux, à la recherche clinique beaucoup, et je fais aussi des programmes de recherche sur la maladie de Kaposi et les maladies liées à l'HHV8. Voilà. Très bien. Donc, au cours de cette session, cette première session sur les actualités de la NRS, nous aurons 5 orateurs et vous pourrez entendre des présentations de résultats obtenus très récemment par ces chercheurs qui interviennent au niveau de la NRS en recherche fondamentale, translationnelle et clinique dans les domaines du sida et des hépatites. Donc on a un timing qui est assez serré, donc on demande avec Vincent à nos orateurs de ne pas dépasser les 10 minutes réglementaires qui leur sont allouées, ce qui permettra d'échanger une ou deux questions avec la salle. Donc la première présentation sera faite par le docteur Roger Legrand, que nous invitons à bien vouloir venir s'installer au pupitre pour cette première présentation intitulée « Nouveaux développements dans les modèles primates pour améliorer la recherche sur le VIH et les hépatites ». Donc Roger Legrand est vétérinaire de formation, docteur en sciences. Il dirige le département appelé IDMIT, qui est une unité de recherche commune du CEA, de l'INSERM et de l'Université Paris-Saclay, et qui héberge aussi une infrastructure importante de recherche permettant l'utilisation de modèles de primates non humains pour étudier les maladies infectieuses humaines. Merci beaucoup, François Loïc, pour ton introduction, et puis merci beaucoup donc à la NRS pour nous inviter à présenter ce qui est fait en recherche préclinique. Au sein de la NRS, mais également au-delà, et je pense que c'est l'utilisation de ces modèles animaux que je vais présenter est l'un des atouts que nous avons en France et en Europe pour l'ensemble de ces programmes. Les projets que l'on porte sont très largement soutenus, enfin développés au sein de l'UMR OS84, pour la raison que cette UMR est porteuse et coordinatrice de l'infrastructure nationale en biologie santé, qui a été développé donc au cours de ces dernières années par qui a été développé ces dernières années par le co-investissement d'un consortium de partenaires qui sont donc l'Institut Pasteur, le CEA, l'INSERM, l'Université Paris-Saclay et la NRS de manière très significative, de manière à pouvoir développer dans un centre unique à Fontenay-aux-Roses à la fois les laboratoires, l'expertise, mettre en place les équipements et donc les modèles expérimentaux qui permettent de travailler sur les maladies infectieuses humaines en recherche préclinique avec une mission unique qui est de apporter cette expertise et ces moyens à la communauté scientifique, largement en France, mais également en Europe. Et aujourd'hui, donc, à peu près 50% des programmes sont des programmes liés à l'infection VIH-SIDA dans le modèle d'infection expérimentale des macaques
et des virus AGM et qui sont largement soutenus par l'ANRS. Et je vais développer deux exemples donc, de ces programmes de recherche aujourd'hui, dans mon topo. Donc, le premier programme est lié à ce que, donc au consortium Riviera, dont on vous a déjà largement parlé ce matin, et puis Asier a développé. Et dans ce consortium Riviera, nous avons un programme sur les primates relativement conséquent en volume d'activité et qui a pour objectif de reproduire, de modéliser chez l'animal la situation des post-treatment contrôleurs en essayant de travailler sur ces hypothèses de l'induction des PTC par les traitements précoces, en se servant des modèles expérimentaux pour aller chercher les mécanismes, notamment les mécanismes dans les tissus, ce qui est difficile à réaliser chez l'homme, et puis pour identifier les biomarqueurs qui permettent de prédire l'efficacité post-traitement dans ces études. Aujourd'hui, donc, cette étude est en cours, largement initiée. Nous en sommes à la quatrième année du programme et nous avons déjà inclus une cinquantaine d'animaux dans le protocole avec des traitements de 24 mois et nous avons commencé les premières interruptions thérapeutiques cet été. Et donc, Asier vous a donné déjà une petite idée de ce qui pourrait se passer puisqu'il semblerait qu'on a effectivement des contrôles post-traitement chez ces animaux-là. Le programme a pour ambition d'aller regarder un grand nombre de paramètres, donc cela dit avec un grand nombre de collaborateurs, qu'il s'agisse de la virologie, de l'immunologie adaptative, de l'immunologie innée. Et là, je vous donne un petit exemple de ce qui est fait, complémentaire à ce qui a été montré par Asier sur l'inflammation et donc la caractérisation des cellules inflammatoires chez les animaux traités ou non traités et avec l'évolution du traitement. Et ça, permis par les technologies qui ont été implémentées au sein d'ITMIT, comme la cytométrie de masse, qui permet aujourd'hui de caractériser entre une trentaine à une cinquantaine de paramètres par cellule, de manière phénotypique. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous avons appliqué cette technologie pour caractériser les cellules myéloïdes, leur évolution au cours du temps. Et ici, donc, vous avez sur votre droite les résultats de l'analyse d'un panel qui permet d'avoir une vision pan-leucocytaire de ce qui se passe au cours de l'infection. Et notamment, donc, une des populations qui nous a frappé, au-delà des modifications classiques que l'on voit dans l'infection VIH, c'est cette modification des polynucléaires neutrophiles que vous voyez dans le panel en haut à droite chez les individus affectés SIV et qui se traduit par les bulles bleues, donc, qui sont des modifications majeures qui ont été observées dans cette population-là. Et ce que l'on remarque, c'est qu'en réalité, dans l'infection à SIV, eh bien, nous avons une population de PMN, de polynucléaires neutrophiles, donc, qui a un phénotype relativement immature, de manière persistante dans cette infection, et que ce phénotype immature, c'est ce que vous voyez sur votre droite, eh bien, se traduit par des défauts fonctionnels, comme ici le défaut de phagocytose que l'on observe chez les PMN observés des singes infectés SIV en rouge, mais qui n'est pas restauré ou très mal restauré par le HART. Et donc ça, c'est une des voies physiopathologiques que l'on explore aujourd'hui pour essayer de comprendre donc, ces déficits liés au PMN. Ça va faire deux minutes déjà en moins. Alors, les capacités d'ICMID qui ont été développées nous permettent aujourd'hui d'essayer d'avoir une approche de visualisation in situ, chez l'animal, in vivo, de l'ensemble de ces paramètres. Et donc, nous avons une installation qui est relativement unique de caméra à positron couplée à un CT en confinement biologique A3 qui nous permet aujourd'hui de développer un certain nombre d'outils pour aller explorer les fonctions immunitaires, la dissémination des pathogènes, la réponse de l'hôte dans ces conditions-là. Et donc, un des premiers exemples aujourd'hui, donc, c'est la caractérisation de ces sites inflammatoires avant et après interruption thérapeutique par simplement donc les approches de marquage du glucose, ce qui nous permet d'aller justement identifier les sites qui seraient des sites de potentiel de réplication résiduelle et de voir si ces sites, ces marqueurs prédisent ou pas la qualité du rebond ou le profil du rebond que nous allons avoir donc prochainement. Et donc ces quantifications sont aujourd'hui en cours. Et notre ambition est d'aller beaucoup plus loin. Et donc l'étude Riviera, donc, qui a été largement financée par la NRS et MSD Avenir au départ, eh bien,
nous avons un complément qui est en collaboration avec Vive, qui nous permet aujourd'hui d'aller mieux caractériser ces sites inflammatoires, mais non seulement du point de vue systémique, mais également du point de vue de la neuroinflammation, et de combiner ça à la caractérisation la diffusion des antirétroviraux comme le dolutégravir, et enfin de le combiner également à la caractérisation de la dissémination du virus. Donc in fine, ce que l'on souhaiterait, c'est avoir une cartographie des sites inflammatoires, de la diffusion des drogues et de la distribution du virus, de manière à essayer d'identifier ces sites de réplication résiduelle sous traitement antiréviral, avec l'objectif d'aller chez les patients en 2020, chez le premier patient VIH en 2020, au moins pour la partie pharmacologie et distribution du dolutégravir. Deuxième exemple donc, de notre implication au sein de l'INRS, c'est les programmes sur le vaccin, au travers de projets européens ou au travers donc, du programme vaccin de la NRS, avec la stratégie lead du VRI, qui est par exemple le ciblage des cellules dendritiques, de ciblage des antigènes sur les cellules dendritiques pour essayer d'augmenter la qualité de la réponse immune, et en particulier en utilisant le récepteur CD40 pour ce faire, et cette molécule aujourd'hui est en phase GMP. Donc là, c'est l'illustration donc, de l'utilisation d'anticorps de fusion anti-CD40 qui sont couplés à la GP140 du VIH. Et la première question que l'on s'est posée donc, au sein de ces programmes, c'est est-ce que ces protéines de ciblage vont véritablement cibler quelque chose in vivo et pas simplement se comporter comme une globuline quelconque. C'est ce que nous avons essayé d'approcher ici par les technologies d'infrarouge. Donc, vous avez une vision macroscopique quasiment en temps réel où vous voyez les sites d'injection, c'est le grand spot que vous voyez là, puis le drainage lymphatique qui s'allume, le ganglion proximal, et ça nous permet d'aller identifier justement le ganglion drainant de ce que nous allons injecter pour ensuite aller soit biopsier, soit continuer à faire de l'imagie plus précise et donc voir comment a été distribué l'antigène. Et c'est ce que nous avons ici fait avec une nouvelle approche de microscopie confocale qui est liée à une fibre optique qui se comporte comme un microscope confocal. Ça nous permet de l'appuyer directement sur le ganglion ou la peau. Ici, c'est le ganglion. En vert, vous voyez les cellules HLA-DR positives dans ce ganglion. En rouge, les cellules ciblées donc, par le vaccin anti-CD40 ici, ou l'isotype contrôle IgG4, toujours in vivo, et en jaune, donc la quantification possible des cellules qui ont été réellement targetées par l'antigène, et donc là, essayer d'avoir une mesure in vivo sans avoir à biopsier de ce qui se passe. Alors, ces mesures avec la lentille confocale, elles sont juste de surface, donc ça nous permet de voir la médulla dans le ganglion, mais nous avons installé, donc nous avons la chance d'avoir dans notre installation donc une installation unique hein, qui est un microscope biphoton donc qui est le premier adapté aux macaques et en confinement biologique à 3, ce qui nous permet d'aller visualiser ce qui se passe chez les individus infectés. Et là, vous avez donc en haut donc la distribution de l'antigène dans la peau, donc avec les cellules qui séparent l'épiderme et derme, et en bas donc le panel qui bouge en bas étant la distribution des cellules qui ont capturé l'antigène dans le ganglion lymphatique lui-même. Et encore une fois, ces images sont quantitatives, on peut les répéter dans le temps, et on peut également s'en servir pour aller biopsier. Donc ça, c'est la biopsie de confirmation que ce que nous avons vu par imagerie in vivo était réel sur ces études-là, où on voit véritablement donc, la colocalisation dans la même condition donc, de l'antigène et des cellules représentatrices d'antigène. Alors bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de la réponse immune, et donc c'est à la réponse cellulaire. Donc ce vaccin a comme objectif d'être principalement donc, designé pour en tant que vaccin thérapeutique, et donc là, il s'agissait de voir si on pouvait augmenter la réponse cellulaire spécifique. Donc vous avez simplement la mesure de ces réponses par interféron gamma de manière très classique, et vous voyez qu'en rouge, le ciblage donc, de l'antigène sur CD40 augmente de manière très significative, et en particulier donc, au moment des rappels de vaccination, la réponse cellulaire chez les animaux. Et c'est l'une des premières fois que l'on montre que le ciblage seul, sans préparation par la pré-immunisation par un vecteur vaccinal ou autre chose, permet véritablement d'avoir cette augmentation importante de la réponse immune. Et ce qui est intéressant, c'est que si on essaie de combiner cela avec les images que l'on a obtenues, eh bien on voit qu'il y a, donc c'est ce que vous voyez en droit à droite, c'est que les images que nous avons obtenues donc in vivo directement de quantification de cellules qui ont été
donc corrélée, qui ont capturé l'antigène, eh bien, cette quantification corrèle de manière très bonne avec la qualité de la réponse cellulaire T spécifique, le niveau de réponse T cellulaire spécifique que nous avons obtenu, ce qui nous permet véritablement, en combinant ces outils, d'essayer d'affiner donc, le système pour pouvoir donc, être encore meilleur dans le développement de ce vaccin. Aujourd'hui, il est en phase clinique par le VRI. Je pense que ce sera développé par Yves Lévy et demain, et je remercie donc l'ensemble de nos collaborateurs pour ce programme, en particulier les personnels donc qui sont liés à l'infrastructure ITMIT, qui ont largement contribué donc à la réalisation de ces études, et puis donc nos collaborateurs de Pasteur, du VRI et de Dallas pour la partie vaccinale. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci beaucoup Roger. Donc on a le temps peut-être pour une question rapide. Est-ce qu'il y a une question ? Et aujourd'hui, donc on héberge à peu près 400 primates en expérimentation. Et l'ensemble des outils que je vous ai montrés sont opérationnels. Donc l'enjeu pour nous, bien entendu, c'est la pérenniser, donc, et de voir comment on va maintenir dans le long terme ce qu'on a pu investir aujourd'hui. C'est l'affaire du Nautilus, essentiellement. C'est l'affaire de la construction du modèle économique qu'il faut que l'on développe, du modèle stratégique également pour savoir quel type de recherche et comment la développer. Et bien entendu, c'est aussi l'affaire d'un positionnement de notre recherche qui ne peut être que international, il ne peut pas être exclusivement national. Et donc, il faut que la recherche que l'on réalise ici, on puisse la rendre visible, au moins au sein de l'Europe, sinon au top niveau de ce qu'on voit international. Voilà. Tout ça, c'est des enjeux. Je ne sais pas si ça vous... C'est très bien raison de dire. Merci, Roger. Donc, je voudrais maintenant inviter le docteur Julie Lucifora à venir nous présenter ses travaux autour des mécanismes d'interférence du virus de l'hépatite Delta sur le virus de l'hépatite B. Donc, Julie Lucifora est biologiste moléculaire. Elle a étudié à l'École normale supérieure à Lyon, en France. Et elle a obtenu son doctorat à l'Université de Lyon en 2008. Et après un stage postdoctoral à Munich, elle a été recrutée comme chargée de recherche à l'INSERM et travaille actuellement dans le groupe de David de Rampel dans l'équipe de Fabien Zolim. Donc ses travaux portent sur l'étude des interactions entre les virus d'hépatite B et Delta et le micro-environnement du foie afin de développer des nouvelles stratégies antivirales. Merci, merci beaucoup pour l'introduction et merci à la NRS et aux organisateurs et à l'action coordonnée numéro 42 pour m'avoir permis de vous parler aujourd'hui donc, d'un autre virus qui est le virus de l'hépatite Delta. Donc, j'ai essayé de vous faire une présentation très schématique pour vous montrer les enjeux vis-à-vis de ce virus et qu'est-ce qu'on fait en particulier au laboratoire. Donc le virus de l'hépatite Delta, c'est un petit virus qui est capable de se répliquer dans le noyau des cellules du foie qu'on appelle hépatocytes. Et en fait, on dit que c'est un virus satellite du virus de l'hépatite B parce qu'il ne peut sortir de la cellule infectée qu'en présence du virus de l'hépatite B puisqu'il utilise son enveloppe pour sortir et aller réinfecter de nouvelles cellules. Donc, vous avez entendu précédemment qu'il y a à peu près 250 millions de porteurs chroniques pour le virus de l'hépatite B dans le monde, environ 40 millions pour le virus du sida et pour la co-infection HBV et virus Delta. Et elle est estimée actuellement à environ 25 millions de patients chroniquement co-infectés par ces deux virus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une infection qui est sous-diagnostiquée. Et il y a une méta-analyse récente qui a suggéré qu'il pourrait y avoir trois fois plus de patients co-infectés par ces deux virus. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin de meilleurs outils diagnostiques et d'un diagnostic plus systématique pour cette infection. Alors ici, vous avez la répartition mondiale de l'infection qui est très hétérogène. Et comme vous pouvez le voir ici, en jaune, ce sont les pays pour lesquels on n'a pas encore d'idée de la prévalence de ce virus Delta. Et donc, en Europe, on a une prévalence qui est relativement faible, mais qui risque d'augmenter avec les flux migratoires. Alors, donc, vous le savez, l'infection chronique par le virus de l'hépatite B mène à des maladies du foie sévères, telles que la cirrhose ou le cancer du foie.
Et en fait, dans le cas d'une co-infection avec le virus Delta, on a une progression, donc quand elle est chronique, une progression beaucoup plus rapide vers ces maladies, vers la cirrhose, et trois fois plus de risques chez les patients co-infectés avec le virus Delta de développer un cancer par rapport aux patients qui sont infectés uniquement par le virus de l'hépatite B. De plus, comme vous le voyez, on a un risque lors des co-infections d'une hépatite fulminante beaucoup plus prononcée, avec un pronostic vital très mauvais pour les patients sans transplantation hépatique. Et enfin, dans une cohorte suisse de patients, il a été montré que le virus de l'hépatite Delta est le principal facteur de comorbidité chez les patients HIV pluri-infectés. Donc, les traitements pour le virus de l'hépatite B ne sont pas efficaces contre le virus de l'hépatite Delta. Donc la seule option thérapeutique, c'est l'utilisation d'interférons alpha-pégylés. Alors c'est un traitement avec beaucoup d'effets secondaires et très peu d'efficacité, comme vous pouvez le voir, puisque seulement un quart des patients vont répondre au traitement et la plupart d'entre eux vont rechuter à l'arrêt du traitement. Alors si je me fais l'avocat du diable, finalement, comme le virus Delta a besoin du virus B pour se propager, pourquoi mettre de l'énergie et des ressources à travailler sur ce virus et se concentrer plutôt sur HBV pour essayer d'éliminer HBV et donc de facto éliminer le virus Delta? Alors en théorie, c'est vrai, si on élimine HBV, on ne pourra plus avoir de propagation du virus Delta. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme vous l'avez entendu précédemment lors de la table ronde, en fait, le génome du virus de l'hépatite B, il est capable de s'intégrer dans le génome des cellules infectées. Et même si le virus de l'hépatite B est éliminé de ces cellules, en fait, les traitements ne vont pas du tout agir sur cet ADN intégré. Et il peut y avoir formation de particules sous-virales et sécrétion de particules à partir de cet ADN intégré. Et il a été montré que le virus Delta, il est capable d'utiliser ces particules produites à partir de l'ADN intégré pour produire des virions qui seront infectieux et qui vont aller infecter des nouvelles cellules. Ensuite, il y a des relations complexes entre les deux virus chez les patients. Donc, comme vous le voyez en haut, chez la plupart des patients, c'est le virus Delta qui domine sur le virus B. Et comme vous voyez sur le graphique, les patients qui sont co-infectés par les deux virus ont souvent des virémies HBV qui sont plus faibles que ceux qui sont uniquement infectés par le virus B. Mais il y a des situations où il y a un équilibre entre ces deux virus et d'autres où c'est le virus B qui domine sur le virus Delta. Et puis même au cours de l'histoire d'un patient, il peut y avoir des alternances de dominance entre ces deux virus. Donc quand on traite un virus, ça peut être positif ou négatif sur l'autre virus. Et donc c'est vraiment important de garder ça en tête quand on traite des patients co-infectés. Et enfin, donc je vous ai dit que le virus de l'hépatite B, de l'hépatite Delta, pardon, utilise l'enveloppe du virus de l'hépatite B pour être sécrété. Mais dans l'équipe donc de François-Loïc Cossé, ils ont montré récemment que le virus de l'hépatite Delta pouvait aussi détourner d'autres enveloppes virales, telles que celles du virus de l'hépatite C ou du virus de l'indingue. Donc en théorie, le virus de l'hépatite Delta pourrait également se propager en dehors d'une infection par le virus de l'hépatite B. Donc on pense qu'il est nécessaire de développer des traitements spécifiquement contre le virus de l'hépatite Delta. Et il y a différentes molécules qui sont à l'heure actuelle en essai clinique. Et Hélène Fontaine vous en parlera plus en détail juste après moi. Donc des molécules qui vont soit inhiber la sortie des virus, soit inhiber l'entrée, donc la réinfection de nouvelles cellules, avec notamment donc, une molécule, le Mircludex, qui a reçu une autorisation temporaire d'utilisation en France et qui vous sera détaillée juste après. Mais il n'y en a aucune qui cible directement la réplication dans les cellules, donc la réplication de ce virus Delta, et nous, c'est ce qu'on aimerait essayer de faire. Donc on pense qu'en étudiant les interactions entre ces deux virus et leurs cellules hôtes, on va pouvoir identifier de nouvelles cibles antivirales qui éventuellement nous permettront de développer des traitements pour améliorer les traitements pour les patients chroniquement infectés par ces deux virus. Alors,
De façon très schématique, lorsqu'une cellule est infectée par un virus, elle va mettre en place des mécanismes de défense naturels. Donc il va y avoir des récepteurs qui vont reconnaître ces virus et activer des voies, donc de façon schématique la voie interféron ou la voie NF-kappa-B, qui vont aller produire des protéines antivirales et donc qui vont permettre l'élimination des virus. Dans le cas du virus de l'hépatite Delta, ce qu'on a montré, et d'autres équipes aussi, c'est qu'il va en fait déclencher une forte réponse interféron dans les cellules infectées. Et une équipe allemande a mis en évidence que c'était grâce au récepteur qui s'appelle MDA5. Et ce qu'on a fait au laboratoire par séquençage d'ARN, c'est vraiment de définir la signature de modulation induite par le virus Delta dans les hépatocytes infectés. Et on utilise ces données pour essayer de comprendre ce que ces modulations vont induire sur le virus Delta, le virus B, et aussi sur la cellule elle-même, quelles seront les conséquences. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la plupart du temps, le virus Delta domine sur le virus B, donc il y a une interférence du virus Delta sur le virus B. Et donc, on s'est demandé, au laboratoire, on est capable de reproduire cette interférence dans nos systèmes in vitro. Donc, comme vous voyez ici, à chaque fois que j'ai dessiné une petite particule delta, c'est quand on avait les deux virus. Et on voit que quand le virus delta est présent, les paramètres du virus B sont tous diminués. Donc, on reproduit bien l'interférence du virus delta sur le virus B qu'on observe chez les patients. Et donc, on s'est demandé si cette réponse interféron qui était induite par le virus Delta dans la cellule, elle était responsable de l'effet antiviral sur le virus B. Et donc, pour répondre à cette question, on s'est simplement dit on va bloquer cette réponse interféron et voir si on retourne à un état d'équilibre. Et comment bloquer cette réponse interféron? Eh bien, c'est comme je vous l'ai dit, donc cette réponse interféron, elle est déclenchée par le récepteur MDA5. Donc, on a tout simplement enlever ce récepteur dans nos cellules. Et donc, comme vous le voyez sur le graphique en bas, donc on a des cellules contrôle où on voit bien qu'il y a une réponse interféron. Et dans nos cellules qui ne contiennent pas MDA5, lorsqu'on met on les infecte avec le virus Delta, il n'y a plus de réponse interféron. Et dans ce cas-là, on a regardé les paramètres de réplication du virus B. Et donc, comme vous voyez sur les deux lignées de cellules à gauche, on voit bien encore l'interférence du virus Delta sur le virus B. Et dans les cellules où on n'a plus MDA5 et donc plus de réponse interféron, on a moins d'interférence, mais on a encore de l'interférence. Donc, cette réponse interféron produite par le virus Delta, enfin stimulée par le virus Delta, elle est partiellement responsable de l'inhibition du virus Delta sur le virus B. Et donc, il doit y avoir peut-être un effet direct des protéines Delta sur le virus B. Et pour faire très très court et résumer sur toutes les expériences qu'on a faites, en fait, on a pu montrer par immunoprécipitation qu'il y a une association des protéines delta avec les ARN du virus B. Et on est en train de caractériser cette interaction et de savoir exactement quelles conséquences elle pourra avoir sur à la fois la stabilité de ces ARN HBV ou l'élongation de leur transcription, etc. Enfin, on travaille sur les mécanismes. Mais pour conclure, donc, il y a vraiment des interactions complexes entre les deux virus et leurs cellules hôtes qui amènent à cette dominance du virus Delta sur le virus B. Et donc ce que je vous ai dit, c'est que le virus Delta, il induit la réponse interféron, mais pas la voie NF-kappa-B dans des cellules infectées. Et donc on s'est dit, eh bien, essayons de stimuler cette voie de défense naturelle pour voir si on pouvait avoir un effet sur le virus Delta. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a utilisé deux molécules qui s'appellent PAM3 et CSK4, qui est un agoniste du récepteur MTLR1-2, et puis BS1, qui est un anticorps agoniste du récepteur à la lymphotoxine bêta. Et chacun, en fait, sont capables de stimuler la voie NF-kappa-B. Et quand vous voyez, quand on utilise ces molécules sur des cellules infectées, on voit qu'on diminue fortement à la fois les taux d'ARN HDV, intracellulaire et les taux de protéines aussi virales. Et puis, ce qui est relativement intéressant, et vous l'avez entendu dans la présentation de Karine, on avait déjà montré que ces molécules-là avaient un effet aussi sur le virus B.
Je vous ai remis ici les données dans les cellules co-infectées B-Delta. Donc, on a une inhibition du virus B. Donc, on a potentiellement deux molécules qui vont pouvoir targeter spécifiquement les deux virus. Voilà, maintenant, c'est des données in vitro. Donc, il faut voir si ces molécules vont être efficaces in vivo. Et on travaille notamment sur leur délivrance pour essayer de voir si on pourra développer des nouveaux traitements. Voilà, je vais finir par remercier le groupe de David Durantel, Fabien Zolim et puis tous nos collaborateurs et évidemment l'ANRS pour le soutien sur nos projets de recherche. Merci. Merci Julie. Est-ce qu'il y a des questions pour Julie ? J'en ai une. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les mécanismes que le Delta a développés pour rendre la plupart des patients résistants au traitement d'interféron ? Alors, comme il induit lui-même une forte réponse interféron, peut-être que c'est une histoire d'effet feedback négatif, c'est-à-dire quand on a déjà une stimulation de cette voie interféron, finalement revenir avec quelque chose qui va stimuler la voie interféron, ça sera moins efficace, et c'est d'ailleurs l'objet d'une partie d'un projet NRS qu'on a déposé et qui a été accepté au dernier appel d'offres, donc pour comprendre un peu ces mécanismes de résistance et voir si cette signature qu'on a identifiée peut nous permettre d'expliquer cela. Merci. Si j'ai une question, s'il vous plaît. Allez-y, on ne vous voit pas là. Oui, j'ai une question à te poser. Oui, merci pour ce bel exposé. Nous, on avait montré dans notre équipe qu'il y avait des protéines produites par l'interféron qui étaient stimulées par l'hépatite delta et qui étaient susceptibles justement d'inhiber la réplication du virus B, par exemple la protéine MXA. Est-ce que tu as regardé ça ? Vous avez regardé, Oui, MXA, elle est dans la signature, hein, et il y en a d'autres qui sont déjà décrites pour inhiber la réponse. Le virus. Peut-être direct sur les enhancers, sur toute la réplication, tout ça, je ne sais pas si. Alors, nous, dans les systèmes d'infection, on n'a pas trouvé d'effet des protéines elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on. Les protéines, elles n'induisent pas la réponse interféron. On a besoin de l'ARN dans nos systèmes pour le faire. Donc, c'est un tout petit peu différent. Une dernière question sur la droite, là-bas. Oui, merci beaucoup. Par rapport à la voie NF-kappa-B, vous aviez donc évoqué de la stimuler par le biais de TLR2, oui. Mais en fait, avez-vous des idées sur les sous-voies qui sont justement déclenchées ou activées afin de ne pas être trop large dans l'activation TLR2 justement en tant que cible ? Merci. Oui, on est en train de disséquer exactement les voies subcellulaires qui sont impliquées. Mais bon, pour l'histoire de pas tout. On travaille aussi vraiment sur une délivrance spécifique aux hépatocytes pour déclencher cette réponse uniquement là où il y en a besoin déjà. Et donc oui, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a en tête. C'est une molécule qui va stimuler l'immunité et il ne faut pas que ça soit trop fort pour pas qu'il y ait d'effets secondaires. A priori, dans les premières cohortes de souris qu'on a fait, on n'a pas du tout vu de cytokine storm ou ce genre de choses. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Très bien. Merci beaucoup, Julie Lissifora. On va maintenant inviter le professeur Hélène Fontaine à venir nous parler de recherche clinique sur le traitement de l'hépatite delta. Donc, Hélène Fontaine est praticienne hospitalière dans l'unité des pathologies du professeur Stanislas Paul. Son activité de recherche clinique est ciblée sur les hépatites virales B, C et delta depuis plus de 20 ans. Et elle participe très activement également à la cohorte ANRS Hépater en tant que co-coordinatrice principale avec les professeurs Stanislas Paul et Fabrice Cara. Elle est aussi co-coordinatrice de la C45 avec le professeur Karine Lacombe et coordonne avec le professeur Fabien Zolim l'observatoire ANRS Boule Delta associé à l'ETU de Bulle Virtide. Merci.
Merci beaucoup à l'ANRS de m'avoir demandé de venir aujourd'hui ici. Donc, je vais vous parler du projet qui est en cours sur le traitement de l'hépatite Delta. Alors, voici mes liens d'intérêt. Je vais gagner un petit peu de temps parce que Julie a déjà très clairement exprimé les liens entre l'hépatite B et l'hépatite D. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que l'hépatite D est associée au B, qu'elle est beaucoup plus sévère sur le plan clinique. Heureusement, elle est moins importante, mais ça représente une charge médicale importante puisqu'on arrive à traiter de façon efficace très peu des patients. Mais par contre, quand on arrive à obtenir un contrôle virologique chez les patients, on leur offre un pronostic beaucoup plus favorable en termes d'espérance de vie et de diminution de la mortalité et de la morbidité. Le cycle de réplication virale de l'hépatite D, je ne vais pas non plus insister dessus puisque Julie l'a bien expliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a à peu près trois molécules qui sont en cours de développement. Le mircludex qui va se fixer sur le NTCP, qui est le récepteur membranaire de l'hépatocyte au virus de l'hépatite B et au virus de l'hépatite D. Le lonafarnib, qui est un inhibiteur de farnésylation et qui va empêcher l'assemblage du complexe de réplication dans le noyau. Et il y a également une molécule un peu moins efficace, qui est un polymère d'acide nucléique, le REP2139, qui va agir en même temps sur l'entrée et en même temps sur la sécrétion. Mais disons que les deux molécules qui sont actuellement en cours de développement, c'est surtout le mircludex et le lonafarnib. Donc les résultats qui sont connus avec le mircludex découlent principalement de cette étude, l'étude MIR-203. Alors le mircludex, c'est aussi du bulévirtide, hein, donc je vais employer l'un ou l'autre des deux termes. Cette étude MIR-203 est une étude de phase 3 qui s'est déroulée en deux parties. La première partie avait pour objectif de regarder l'efficacité et la tolérance chez 60 patients de différents traitements. Donc les patients étaient traités soit par interféron pegylé pendant 48 semaines en monothérapie, soit par mircludex 2 mg par jour en monothérapie, soit par deux bras d'association interféron pegylé et mircludex en bithérapie pendant 48 semaines avec un bras traité par 2 mg de mircludex et l'autre par 5 mg de mircludex. En termes de réponse virologique, on voit que les deux bras de patients chez qui la charge virale diminue de façon importante sont les deux bras qui sont traités en association pegylé interféron et mircludex avec à la fin du traitement une diminution d'environ moins 5 logs de l'ARN delta donc en fin de traitement. 6 mois après l'arrêt du traitement, on a encore une supériorité des deux bras d'association mircludex et interféron par rapport aux deux bras monothérapie. Et à ce moment-là, on voit que le bras 2 mg de mircludex plus l'interféron pegylé fait aussi bien que le bras 5 mg de mircludex plus l'interféron pegylé. Et c'est la même chose en termes d'objectif principal. L'objectif principal de cette cohorte, de cette étude, était d'obtenir un ARN indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement. Et là, encore une fois, c'est le bras interféron pegylé plus mircludex 2 mg qui donnait les meilleurs résultats avec 53% d'obtention d'un ARN indétectable, donc 6 mois après l'arrêt du traitement. Alors, la deuxième partie de cet essai, MIR-203, les résultats ont été donnés récemment, il y a 2 semaines, à Boston, à la SLD. Dans cette deuxième partie, il y avait deux bras de patients, deux bras qui étaient traités soit par du mircludex 10 mg par jour en une seule prise, associé à l'interféron pegylé, soit un bras traité par 10 mg de mircludex, mais en deux prises par jour, associé au tenofovir. Dans cette étude, ce qui a été montré, c'est que les patients chez lesquels l'ARN delta diminue le plus rapidement, ce sont les patients qui sont traités par 10 mg de bulévirtide plus de l'interféron pegylé par rapport aux bras en monothérapie pegylé. Et lorsqu'on compare les bras 2 mg de bulévirtide par rapport à 10 mg associés au tenofovir, on voit que le 10 mg de bulévirtide fait un peu mieux que le 2 mg de bulévirtide. De façon plus claire, je suis désolée, c'est moi qui ai fait des photos, donc forcément elles ne sont pas très très belles.
à la fin du traitement, là où on obtient la meilleure efficacité virologique, ce sont dans les trois bras qui sont en association Mircludex et interféron pegylé, avec 80 à 87% de patients qui ont un ARN indétectable en fin de traitement, ce qui est vraiment un résultat intéressant. Et en termes d'antigène HBS, puisque le Mircludex agit aussi sur l'entrée du virus de l'hépatite B dans la cellule, donc il peut agir également sur l'hépatite B et l'antigène HBS, on voit que les trois bras où on obtient une diminution de l'antigène HBS, voire une négativation, ce sont encore une fois les bras qui associent interféron pegylé et Mircludex. Donc des résultats de la première partie de cette étude va découler une autorisation temporaire d'utilisation de cohortes qui a été décidée en juin de cette année. Et il sera possible d'utiliser le Mircludex à la dose de 2 mg par jour, donc ça se prend en sous-cutané, chez un certain type de patients. Ce seront les patients qui ont une cirrhose compensée ou des lésions de fibrose sévères, ou des patients qui ont des lésions de fibrose moyenne, mais cette fois-ci associées à une cytolyse chronique qui est définie par le fait d'avoir des transaminases supérieures à deux fois la normale depuis plus de 6 mois, ce qui est en fait un facteur prédictif d'évolution de la fibrose. Dans l'avis qui a été donné par l'ANSM, il a également été souligné qu'il fallait que la décision thérapeutique, c'est-à-dire ATU ou protocole thérapeutique, soit prise si possible de façon pluridisciplinaire dans des réunions de concertation, de façon à ce que l'ATU ne limite pas l'inclusion dans les protocoles thérapeutiques. La volonté de l'ANRS, c'était de créer un observatoire qui est adossé à cette ATU, un peu comme ce qui avait été fait il y a quelques années pour les premiers inhibiteurs de protéase dans l'hépatite C. Et donc cet observatoire, ANRS HDEP01 Bul Delta, a pour objectif de regarder l'efficacité et la tolérance du traitement par bulévirtide chez les patients traités dans le cadre de l'ATU. Le but de cet observatoire, c'est de récupérer non seulement des données cliniques, mais également de réaliser la constitution d'une collection biologique pour répondre à différentes questions qui concernent en même temps l'efficacité virologique et sérologique, la tolérance, et essayer d'identifier des facteurs prédictifs de réponse ou d'échappement au traitement pour pouvoir guider le traitement plus tard. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de certitude concernant la durée exacte du traitement qui sera nécessaire pour obtenir un contrôle de la multiplication virale. Le but aussi, ce sera d'identifier les variants qui surviendront au niveau d'un échappement. Alors, le critère objectif a été longtemps discuté dans cette cohorte. Et finalement, celui qui a été choisi, c'est un critère composite qui est défini par la diminution de l'ARN delta d'au moins 2 logs avec une normalisation des transaminases 48 semaines après l'arrêt du traitement. Bon, les critères d'inclusion sont assez simples. Hein. Les patients doivent être âgés de plus de 18 ans, être traités par bulévirtide dans le cadre de l'ATU de cohorte et bien sûr avoir donné leur consentement libre, éclairé, écrit et puis être affiliés ou bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale. Les critères de non-inclusion sont également très simples, c'est la contre-indication au bulévirtide ou aux excipients, la participation à une autre recherche comprenant une période d'exclusion au moment de l'inclusion dans Bul Delta et puis le fait d'être vulnérable. Donc ça, je vais passer parce que c'est à la redite de ce que je viens de dire. Dans les objectifs secondaires, on va bien sûr regarder l'évolution de la réponse virologique delta à partir de l'évolution de la virémie pendant le traitement, mais après le traitement pendant les 48 semaines de suivi. Le but étant d'essayer d'essayer d'identifier les échappements et de caractériser les souches. Ce qui va être également indispensable à préciser, ce sont les facteurs clinico-biologiques, virologiques, immunologiques qui seront associés à la réponse virologique. Nous allons également analyser la réponse virale B, l'évolution virologique, donc la virémie pendant le traitement et après l'arrêt du traitement, et également l'évolution sérologique. Comme il a été montré dans MIR-203, il y a un certain nombre de patients chez qui une diminution significative de l'antigène HBS a été obtenue, une négativation de l'antigène HBS a été obtenue, et dans un monde idéal, on pourrait toujours espérer une guérison complète du patient par les virus de l'hépatite B et de l'hépatite D.
On va bien sûr analyser la tolérance au traitement. Un certain nombre de ces patients seront au stade de cirrhose, compensés, mais au stade de cirrhose. Et donc, on va regarder le taux de survenue des événements indésirables, hépatologiques et non hépatiques, le taux de décès, l'observance au traitement et l'impact de cette observance sur l'efficacité et la tolérance. Il ne faut pas oublier que c'est un traitement qui se prend par voie sous-cutanée tous les jours. Donc pour des patients qui auront des traitements prolongés plus d'un an, ça peut être difficile d'avoir une bonne observance. Et puis bien sûr, l'impact sur la tolérance d'un traitement associé par analogue nucléosidique ou nucléotidique, mais surtout par interféron, qui forcément risque de diminuer la tolérance du traitement, même si ça, probablement, si ça va augmenter l'efficacité. On va évaluer la qualité de vie par les échelles habituelles EQ5D et SF12, l'échelle des symptômes ressentis, et puis la réponse plus, entre guillemets, hépatologique sur l'évolution des transaminases et l'évolution de la fibrose. La fibrose dans l'ATU doit être déterminée soit par la biopsie hépatique, soit par un fibroscan. Il faut savoir cependant que le fibroscan n'est pour l'instant pas validé dans cette indication. Donc cette cohorte est aussi une occasion un petit peu unique d'essayer de regarder la corrélation entre les tests non invasifs, fibrotest, fibromètre et fibroscan, et les biopsies hépatiques chez les patients qui auront cet examen. Une analyse immunologique va être réalisée chez un sous-groupe de patients, 40 patients, 20 traités avec et 20 traités sans interféron, pour analyser la réponse lymphocytaire CD8. Alors ça c'est une étude un peu particulière qui sera dans le laboratoire du professeur Tim. Et voilà. Donc pour le calendrier de la recherche, en pratique, les patients seront suivis une fois tous les mois pendant 3 mois, puis une fois tous les 3 mois jusqu'à la fin du suivi. Et donc, pour finir, autour de l'hépatite delta actuellement en France, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? On a 7 ATU de cohorte. On a également un protocole de phase 2 avec le mircludex, un protocole de phase 3 avec le lonafarnib, mais qui vont cibler des populations de patients extrêmement sélectionnées. Et donc, on aura probablement beaucoup de patients qui auront besoin du protocole dans l'ATU de cohorte et qui pourront être inclus dans Bulle Delta. Je vous remercie. Question rapide. Moi, j'en ai une, si tu veux bien. La tolérance du produit est bonne? Est-ce que là, tu as un effet dose du produit qu'on voit sur les résultats? Est-ce qu'on peut imaginer de monter les posologies ou pas? Alors, pour l'instant, dans mon souvenir, il n'y a pas de dose de plus de 10 mg qui ont été essayées. Le problème majeur en termes de tolérance, c'est l'augmentation des acides biliaires, qui est effectivement un petit peu dose dépendante. Là, dans la deuxième partie du protocole, quand il y avait donc les deux bras traités par 10 mg par jour, on avait en fait une augmentation des acides biliaires chez tous, de façon plus ou moins progressive. C'est une augmentation qui est asymptomatique et qui régresse après l'arrêt du traitement. Donc ça va faire partie des critères de tolérance qui vont être analysés pendant et après le traitement. Pour l'instant, ça ne semble pas donner de problème majeur. Merci. Merci. Je vous remercie. Je tiens également à remercier l'ANRS et les organisateurs. Donc effectivement, je vais vous présenter un travail qui porte sur la transmission du VHC chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes porteurs du VIH en France et l'impact de stratégies de dépistage et de réduction des comportements à risque. Alors, tout d'abord, pour contextualiser, on observe une épidémie d'infection par le VHC chez les HSH VIH+, rapportée depuis le début des années 2000, principalement dans les pays du Nord, et cela notamment en France. C'est une épidémie qui est essentiellement associée à des pratiques sexuelles à risque, en particulier à ce que l'on appelle le chemsex, c'est-à-dire la consommation de drogue avant, pendant et pour les relations sexuelles. Alors, comme vous le savez, on est par ailleurs dans un contexte thérapeutique favorable, avec la disponibilité des antiviraux à action directe hautement efficaces, même pour les patients co-infectés par le VIH, ce qui offre notamment l'opportunité de mettre en place des stratégies de type TASP, c'est-à-dire de traiter pour prévenir la transmission du virus. Et c'est notamment ce qui a conduit l'OMS à émettre des objectifs quant à l'élimination du VHC à l'horizon 2030, dont 90% de réduction de l'incidence entre 2015 donc, et 2030. Donc à partir de là, on s'est posé la question de savoir quel serait l'intérêt et l'impact d'un dépistage renforcé et par voie de conséquence d'un traitement précoce de l'hépatite C chez les HSH VIH+,
en combinaison avec des stratégies de réduction des comportements à risque, puisqu'on peut s'attendre à ce que de telles stratégies aient un impact assez marqué au niveau collectif, c'est-à-dire sur la transmission du virus, et pouvoir attendre peut-être son élimination à terme. C'est pourquoi nos critères de jugement principaux sont l'incidence et la prévalence du VHC en 2030, la population d'intérêt étant l'ensemble VHSH infecté par le VIH en France. Donc la méthodologie principale, c'est une modélisation mathématique. Alors il s'agit d'un modèle dynamique, puisqu'on simule la transmission du virus au sein de la population, et il intègre trois éléments principaux. Premièrement, une stratification par niveau de risque, où on va considérer, pour définir le groupe à haut risque, les HSH engagés dans des pratiques de chemsex. Ensuite, l'histoire naturelle de l'hépatite C, des stades de fibrose en passant par les complications de la cirrhose jusqu'à la mortalité hépatique. Et enfin, la cascade de soins du VIH et du VHC en distinguant les stades non diagnostiqués, diagnostiqués liés aux soins et sous-traitement. Alors, quelques paramètres principaux sur lesquels il est plutôt intéressant de s'attarder. Alors, tout d'abord, le taux d'incidence, qui est un paramètre important pour nous puisqu'il nous a servi à calibrer le modèle. Alors, nous l'avons estimé à partir de données sur les HSH inclus dans la cohorte FHDH, qui est la cohorte française hospitalière à infection VIH, et nous avons estimé un taux d'incidence à la baisse, passant de 0,98 sur 100 personnes années en 2014 à 0,45 pour 100 personnes années en 2017. Ensuite, la prévalence initiale, en début 2014, que nous avons estimée à 3,62% à partir des données FHDH et prévague 2015. Alors, pour les HSH liés aux soins pour leur infection VIH, nous avons estimé qu'à partir de 2019, le temps entre le diagnostic VHC et la mise sous traitement était de 1 mois, afin de représenter les pratiques actuelles qui sont plutôt dans une mise sous traitement immédiate pour cette population. Ensuite, le taux de clairance spontanée de 15%, puisqu'il est plus faible pour les individus co-infectés VIH-VHC que pour les mono-infectés VHC. Et enfin, la part d'individus dans le groupe à haut risque de 28% et le risque relatif d'infection pour le groupe à haut risque comparé au groupe à faible risque de 5,6 ont été estimés à partir des données prévague 2015. Donc, prévague 2015, c'est une étude qui a été menée en 2015 auprès de HSH ayant fréquenté des lieux de convivialité gays dans 5 villes françaises. Alors, en ce qui concerne les stratégies évaluées, elles le sont toutes par rapport au scénario de référence S1 sur ce tableau. Alors, le scénario de référence qui est censé représenter les pratiques actuelles. Donc, en l'état, une fréquence de dépistage du VHC annuel et une part des individus dans le groupe à haut risque stable. Alors, toutes les stratégies dans la simulation, on considère qu'elles commencent en 2019. Et dans un premier lieu, si on s'intéresse aux stratégies qui portent seulement sur la fréquence de dépistage, ce sont celles présentées sur le tableau ici, donc les stratégies 2 à 4, avec donc la stratégie 2, une fréquence de dépistage tous les 6 mois. Ce sont en fait les recommandations actuelles, notamment de l'AFEF. La stratégie 3, un dépistage tous les 3 mois pour le groupe à haut risque et tous les 6 mois pour les autres. Et enfin, la stratégie 4, un dépistage tous les 3 mois pour tous. Viennent ensuite les stratégies 5A à 8A, qui intègrent en plus une stratégie de réduction des comportements à risque. Alors là, dans le modèle, on l'illustre de façon théorique par une baisse de 20% de la part des individus dans le groupe à haut risque entre 2019 et 2022, passant ainsi de 28 à un peu plus de 22%. La stratégie 5 reprend finalement le scénario de référence pour la fréquence de dépistage avec une fréquence annuelle. Quant aux stratégies 6 à 8, elles reprennent les stratégies de dépistage renforcées comme les stratégies 2 à 4. Et enfin, les stratégies 5B à 8B, elles, sont identiques aux 4 stratégies précédentes, mais diffèrent dans le fait que là, on va considérer une stratégie de réduction à risque plus optimiste, avec une réduction non pas de 20%, mais de 50%. Alors, vous pouvez voir ici un graphique qui représente les estimations du modèle concernant le taux d'incidence de 2014 à 2030. Et on peut voir que le modèle reproduit plutôt bien les taux d'incidence que nous avions estimés sur la période 2014-2017, puisqu'ils sont représentés ici par les points noirs et les barres avec leurs intervalles de confiance. Alors maintenant, ce qui concerne l'impact des différentes stratégies comparativement au scénario de référence, alors c'est illustré sur cette diapositive pour l'incidence. Et les bar plots et leurs valeurs donc, représentent le pourcentage de diminution en termes d'incidence en 2030 des différentes stratégies comparées au scénario de référence. Pour être plus clair, par exemple, si vous prenez le scénario 2, donc c'est le bar plot tout à gauche, le bleu le plus clair, donc avec une fréquence de dépistage tous les 6 mois, on aurait un impact qui serait égal à environ 18% de réduction de l'incidence comparée à une fréquence de dépistage annuelle. Et ensuite, pour les stratégies 3 et 4, on a un pourcentage de diminution de l'ordre de 21-22%. Ensuite, il est plutôt intéressant
s'attarder sur les stratégies qui prennent en compte seulement une réduction des comportements à risque, ce sont les stratégies 5A et 5B avec une fréquence de dépistage annuelle. Et on peut voir qu'il y a une différence assez significative, enfin assez importante en tout cas, entre ces deux stratégies, puisque dans le cas le plus optimiste, avec une réduction des comportements à risque de 50%, il y a un pourcentage de réduction de près de 52% par rapport au scénario de référence. Et viennent ensuite les stratégies combinées, donc qui combinent un dépistage renforcé avec les stratégies de réduction des comportements à risque. Donc ici, en déclinaison orange, vous les avez pour des stratégies de réduction à risque de moins 20%, et en déclinaison de rouge, pour des stratégies de réduction à risque de moins 50%. Ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'à partir d'un certain moment, finalement, renforcer le dépistage tous les 3 mois, que ce soit pour le groupe à haut risque ou pour tous les HSH et VIH+, a un impact plutôt marginal sur les résultats. Et la diapositive suivante, donc, c'est exactement la même chose, mais l'impact, non pas pour l'incidence, mais pour la prévalence. Globalement, c'est à peu près pareil, sauf que pour toutes les stratégies, l'impact est moins prononcé. Et cela, a fortiori, pour les stratégies de réduction des comportements à risque, ce qui s'illustre notamment par le fait que la stratégie 5A, donc avec seulement une stratégie de réduction des comportements à risque de moins 20%, est celle qui a l'impact le plus faible comparativement au scénario de référence. Donc pour résumer un peu ces résultats et peut-être même se placer du point de vue des objectifs de l'OMS, donc ce qu'on montre, c'est qu'il y a déjà un impact marqué des pratiques et des recommandations actuelles de dépistage, puisqu'avec le scénario de référence, on estime une baisse de l'incidence de l'ordre de 70% entre 2015 et 2030. Elle arrive à moins 175% avec la stratégie 2, donc une fréquence de dépistage tous les 6 mois. Et enfin, on souligne finalement, pour atteindre les objectifs de l'OMS, donc de moins 90% de l'incidence d'ici à 2030, l'importance de la réduction des comportements à risque et de la combinaison des stratégies, puisque la stratégie finalement la plus optimiste, qui est la stratégie 8B, je rappelle, donc un dépistage tous les 3 mois pour tous et une réduction de moins 50% de la part de la population dans le groupe à haut risque, permettrait une réduction de l'incidence de 88% entre 2015 et 2030. Alors rapidement sur les forces et les faiblesses de ce travail. Alors, concernant les forces, on utilise un modèle qui intègre de nombreux éléments pour répondre aux questions que nous nous sommes posées. Alors, je ne l'ai pas montré ici, mais on a également des résultats en termes de complications de la cirrhose et de mortalité hépatique. Le modèle est calibré et paramétré principalement à partir de données françaises, ce qui montre également l'exhaustivité des cohortes et des enquêtes qu'on a ici sur ce sujet et sur cette population. Et enfin, c'est un travail qui s'inscrit parmi d'autres études de modélisation et qui apporte de nouvelles conclusions, en particulier, puisque là, on fait une approche comparative entre stratégies, qu'on interprète les résultats par rapport aux objectifs de l'OMS également. Et concernant les limites, alors une limite principale du modèle, c'est qu'on fait l'hypothèse d'une population totalement mélangée de façon homogène. Alors ça, c'est lié au fait que nous n'avons pas de données précises sur la façon dont la population des HSH et VIH+ se mélange. Également, comme vous auriez pu le constater, c'est que les stratégies de réduction des comportements à risque qu'on évalue sont très théoriques. Et enfin, l'analyse est restreinte à la population des HSH infectés par le VIH, alors qu'on parle de plus en plus maintenant de la transmission du VHC parmi les HSH VIH-, en particulier ceux sous PrEP. Donc, pour conclure en deux phrases, on montre qu'il y a une épidémie déclinante avec les pratiques actuelles, ce qui va être renforcé par la mise en place progressive des recommandations, et que de toute façon, l'élimination du VHC parmi cette population, comme on avait parlé précédemment, on parle ici de micro-élimination, nécessitera donc une baisse marquée des comportements à risque. Je vous remercie. Merci, bravo. Merci. Questions, remarques? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, désolé pour la question. Je sais que le modèle est fait uniquement chez les personnes VIH+. Cependant, on peut faire des hypothèses qu'ils pratiquent parfois le chemsex aussi avec des personnes VIH négatives. Donc la question, si on veut vraiment atteindre l'objectif de 90% d'élimination dans l'ensemble, est-ce qu'on n'aura pas une nécessité malgré tout à aussi intégrer des stratégies de dépistage chez les HSH négatifs, sachant que ceux-là, on ne les voit pas régulièrement dans un centre de suivi et de prise en charge? Je vous remercie pour votre question. Donc, effectivement, là, on modélise la transmission du virus de l'hépatite C seulement parmi les HSH et VIH+. Alors, je ne suis pas en expert, notamment, je crois que ce qui a été montré, c'est que finalement, le virus de l'hépatite C qu'on trouvait chez certains HSH non infectés par le VIH était similaire, voire identique, à ceux trouvés chez les HSH et VIH+.
Donc il y a l'hypothèse qui est faite, c'est celle d'une transmission des HSH-VIH+, vers les HSH-VIH-. Et votre remarque est tout à fait pertinente, puisqu'on peut, on peut penser qu'à terme, les HSH-VIH- vont être un futur réservoir du VHC et qui vont peut-être aussi transmettre ou retransmettre le VHC au HSH-VIH+. En tout cas, je pense qu'il y a une, il a été montré qu'il y a des connexions et des liens entre ces deux populations. Et c'est vrai que pour atteindre pleinement l'élimination, c'est quelque chose qu'il faudra effectivement prendre en compte. Autre question ? Oui, Bruno, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir ce que vous, si vous pouviez préciser ce que vous appelez réduction des risques dans votre modèle. À ce que je dis, c'est, j'ai dit que c'était purement théorique dans le modèle. Donc on a un groupe à haut risque et un groupe à faible risque. Et on considère que pour la période 2019-2022, la part de la population du groupe à haut risque diminue. Donc dans le modèle, ça se traduit par un taux de transition entre le groupe à haut risque et le groupe à faible risque. Alors effectivement, c'est tout à fait critiquable puisque c'est très théorique. Mais voilà, l'idée derrière, c'est éventuellement mettre en place des stratégies d'éducation au chemsex, notamment ce qui a été fait, j'ai vu des études passer, surtout au Royaume-Uni, des interventions psychosociales sur le sujet. Après, on a assez peu, pour l'instant, assez peu de résultats concernant de telles interventions sur la baisse du VHC. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous avez considéré que c'était, quand vous appelez intervention de réduction des risques, ça veut dire que c'était le même risque que quelqu'un qui ne faisait pas le chemsex. Un risque intermédiaire avec une intervention, par exemple, qui serait partiellement efficace, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une intervention 100% efficace de psychosociale, ce serait un peu difficile. Ou est-ce que vous considérez que finalement c'est l'abstinence, c'est moins de chemsex, donc simplement ils en font moins? Alors ça, c'est aussi lié au fait qu'on a assez peu de certitudes sur finalement quelles sont les pratiques liées à la transmission du VHC dans cette population. Nous, on a utilisé le chemsex en tant que proxy de différentes pratiques à risque. Et finalement, alors, j'ai pas exactement compris votre question, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a ce que je vous montre, c'est qu'il y a un risque, enfin, on intègre un risque relatif transmission d'infection par le VHC chez ceux qui pratiquent le chemsex par rapport aux autres. Et vous parliez par exemple de 100% de réduction. Effectivement, pour les 50%, on considère qu'on est déjà dans une stratégie très très optimiste. Et puis, un dernier mot. Ce que je tiens à mentionner aussi, c'est que dans ces stratégies de réduction des risques, on considère que cette baisse, elle est stable en fait au cours du temps. C'est-à-dire qu'en passage de 28% à 14% entre 2019 et 2022, on considère qu'à partir de 2022, la part reste à 14% également. Et ça pose la question. Merci. De la pérennité de telles interventions aussi. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Donc on accueille Jean-Michel Molina. Jean-Michel est professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, à l'Université de Paris. Et il a animé beaucoup de groupes de travail et d'action coordonnée à la NRS. Merci Jean-Michel. Il va nous faire un point sur les nouveaux axes de recherche sur les IST à la NRS. Merci Vincent. Bonsoir à tous. Donc, merci aussi à François Dabis de m'avoir invité à parler d'un autre sujet. Donc, on va quitter le domaine du VIH et des hépatites pour parler des infections sexuellement transmissibles et savoir dans quelle mesure cela pourrait représenter à la NRS un axe émergent de recherche où la NRS pourrait s'investir. Et donc, je vous accompagne dans ma réflexion sur ce sujet, réflexion que j'ai partagée avec un groupe de travail d'ailleurs dont je vais vous lister la composition dans quelques minutes. Alors pourquoi en est-on arrivé là ? Eh bien, je crois que, comme vous le savez, les antirétroviraux ont permis d'obtenir des succès remarquables, à la fois dans le traitement et dans la prévention d'infections par le VIH. Et j'ai listé sur cette diapositive les différentes étapes avec les traitements combinés, les traitements de plus en plus efficaces, de mieux en mieux tolérés, l'efficacité des traitements sur la prévention de la transmission aux partenaires, et plus récemment encore, l'utilisation des traitements en prévention des individus séronégatifs, la PrEP. Eh bien, tous ces succès dans le combat contre le VIH ont paradoxalement entraîné une réduction de la perception du risque, risque de contamination par le VIH, risque de sida, risque de décès. Et quand on parle de réduction de la perception, on va finalement avoir ce qu'on appelle la compensation du risque. Et cette compensation du risque se traduit par une moindre utilisation du préservatif, et ceci depuis plusieurs années. Et si on utilise moins de préservatifs, eh bien, la conséquence va être rapidement
une augmentation de la fréquence des autres maladies sexuellement transmissibles qui ne sont pas prévenues par les antirétroviraux. Et cette augmentation des infections sexuellement transmissibles, elle s'observe à la fois chez les personnes séropositives et également chez les personnes à risque de contamination par le VIH. Alors qu'en est-il au niveau global ? On a parlé tout à l'heure de 30 à 40 millions de personnes infectées par le VIH, plus de 200 millions de personnes infectées par les virus des hépatites. Mais quand on s'intéresse à l'ensemble des infections sexuellement transmissibles, curables, principalement les infections bactériennes, vous voyez que l'OMS estime en 2016 qu'il y avait près de 400 millions de personnes entre 15 et 49 ans qui étaient atteintes par ces IST, ce qui représente plus d'un million d'infections par jour. Donc un nombre considérable. Et même des pays riches comme les États-Unis, vous le voyez sur le panel de droite, eh bien, sont touchés par cette épidémie avec les données de 2017 et 2018 qui montrent une augmentation croissante de la fréquence de ces IST. Et pour la première fois à nouveau aux États-Unis, des cas de transmission materno-fœtale et la réapparition de syphilis congénitale chez les nouveau-nés. Et donc la nécessité véritablement de se remobiliser contre ces IST en parlant plus régulièrement, en améliorant le dépistage et le traitement. Alors, quels sont les impacts que peuvent avoir les IST sur la santé sexuelle et la santé globale ? Eh bien, je vous ai listé sur cette diapositive les différentes conséquences que peuvent avoir ces IST. Le cancer, d'abord, avec les infections à HPV, un grand nombre de cas de cancer du col chez les femmes. Des effets délétères pendant la grossesse. Je vous ai parlé de la transmission materno-fœtale de la syphilis, avec malheureusement un grand nombre de décès liés à la syphilis congénitale, y compris dans les pays les plus développés. Les risques d'infertilité chez les jeunes femmes avec les infections à chlamydia et à gonocoque. L'augmentation également du risque de contamination par le VIH avec certaines IST comme l'herpès. Et puis l'impact que peuvent avoir ces IST sur la qualité de vie, l'impact relationnel et bien entendu la stigmatisation que ces personnes qui sont affectées par ces IST peuvent ressentir. Si l'on regarde les données au niveau européen maintenant, vous voyez que certaines populations sont plus affectées que les autres par les IST et vous avez en orange les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et vous voyez que cette population représente plus de la moitié des cas de gonorrhée en Europe, les deux tiers des cas de syphilis, pratiquement tous les cas de lymphogranulomatose vénérienne alors que cette population ne représente que 3 à 4% de la population européenne. Si on s'intéresse à ce qui se passe, à ce qui s'est passé ces 20 dernières années en Angleterre chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, vous voyez en rouge l'augmentation croissante des cas de syphilis depuis les années 96, début du trithérapie, jusqu'aux années 2015, avant l'introduction de la PrEP. Et vous voyez que cette augmentation progressive, eh bien, finalement, elle est assez parallèle aux progrès qui ont été réalisés dans le domaine du traitement de l'infection par le VIH. En ce qui concerne le gonocoque, voilà des données américaines, et là, vous voyez qu'elles remontent à 1940, donc avant l'ère de la pénicilline, et vous voyez les deux pics qui correspondent à avant la pénicilline et puis au moment de l'épidémie du sida. Aujourd'hui, en 2018, on constate également aux États-Unis une remontée du nombre de cas de gonocoque. On n'est pas, bien sûr, encore aux années pré-SIDA. Qu'en est-il en France ? Eh bien, les données de Santé publique France 2017 nous montrent qu'il y a également, en orange, comme vous le voyez chez les hommes, qui ont des rapports sexuels avec les hommes en France, un doublement, finalement, du nombre d'infections entre 2015 et 2017, en sachant que beaucoup des infections sont, ceci dit, asymptomatiques, mais que les MSM représentent finalement 71% de l'ensemble des cas de gonocoque en France et que 20% environ sont co-infectés par le VIH. Une autre problématique avec le gonocoque, c'est celui de l'émergence de résistance aux antibiotiques. Et voilà des données du CDC aux États-Unis qui montrent qu'au cours des 18 dernières années, vous voyez une augmentation progressive de la résistance à la ciprofloxacine, une stabilisation de la résistance aux cyclines. Mais ce qui est peut-être plus problématique, c'est l'apparition de résistance à l'azithromycine, qui est un antibiotique qui est finalement utilisé aujourd'hui en première ligne pour le traitement des infections à gonocoque. En ce qui concerne les infections à chlamydia, là encore des données européennes qui vous montrent que ces infections touchent principalement les femmes, les hommes hétérosexuels et beaucoup moins les MSM. Et quand on regarde les données françaises encore sur les 7 dernières années, vous voyez une augmentation entre 2015 et 2017 qui est moins importante, mais qui reste significative, de 26% de ces infections à la fois chez les femmes et chez les hommes. Je vous ai présenté beaucoup de données au nord. Au sud, il existe également des données moins nombreuses, et j'ai choisi de vous présenter ces données au KwaZulu-Natal, qui montrent que chez des jeunes entre 15 et 24 ans, eh bien, la prévalence des IST est également très importante. Près de 8%
sont affectés par les infections à chlamydia et presque 20% par l'herpès. Donc c'est un problème clairement global et il existe clairement une nécessité de se refocaliser sur la recherche dans le domaine des IST pour améliorer nos stratégies de prévention, qu'elles soient biomédicales ou comportementales, d'améliorer également les tests de diagnostic et les tests qui permettraient une identification de la sensibilité aux antibiotiques très rapidement, et puis peut-être aussi de revoir nos stratégies thérapeutiques et enfin de renforcer la recherche sur les vaccins. Et ceci, c'est dans le cadre d'un objectif global de l'OMS qui est de réduire d'ici 2030 de 90% l'incidence de ces IST globalement. Pour cette raison, aux États-Unis, le NIAID a décidé de renforcer son portfolio de recherche sur le vaccin des IST, notamment sur le gonocoque, la syphilis et les chlamydia. Alors, qu'en est-il à l'ANRS ? Eh bien, à la demande de François Dabis, notre directeur, un groupe de réflexion s'est constitué avec Nathalie Bajos, Cécile Bébéard, Vincent Calvez, Didier Equevi et moi-même pour essayer de revoir un petit peu quel était l'état de la recherche dans le monde et en France sur les IST, quelle était l'opportunité pour l'ANRS de s'impliquer dans ce champ de recherche, de définir des priorités et également des partenariats dans cette recherche. Ces réflexions ont été présentées au Conseil scientifique de l'ANRS au mois de septembre et il est prévu un séminaire de réflexion début d'année prochaine sous l'égide de l'ANRS. Quand on regarde globalement, en utilisant les données de clinicaltrial.gov, ce qui est fait dans le monde en termes de recherche sur les IST, vous voyez que principalement ces recherches sont conduites aux États-Unis, qu'en France, eh bien, on se situe pas trop mal au niveau européen, qu'en Afrique, en revanche, vous voyez que la grande majorité des recherches sont réalisées en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, peu en Afrique de l'Ouest, où l'ANRS a un certain nombre de sites. Alors, quelles sont les priorités qui ont été identifiées aujourd'hui par ce groupe de réflexion ? Eh bien, c'est d'abord de se focaliser peut-être sur les infections sexuellement transmissibles bactériennes, chlamydia, gonocoque, syphilis, possiblement aussi le mycoplasme, et puis au sud, le trichomonas vaginalis, qui est une infection parasitaire qui pose également des problèmes de santé publique. Il y a eu relativement peu de projets jusqu'ici qui ont été financés par l'ANRS dans le domaine des IST. J'ai choisi d'en citer quelques-uns. L'étude REMIND qui a été présentée à la CROIS, qui montre également que dans les congrès scientifiques sur le VIH, de plus en plus maintenant, on commence à parler d'IST et de présenter des travaux de recherche sur les IST. Les études chez les MSM et en particulier au cours de la PrEP. Et finalement, la PrEP a permis, j'allais dire, de faire sortir du placard un petit peu les IST en se rendant compte de leur impact et de la possibilité également dans ces études de pouvoir mener de la recherche dans le domaine des IST. Alors, qu'en est-il de l'HPV ? Eh bien, un groupe également de recherche sur l'HPV s'est constitué au sein de l'ITMO I3M, qui s'est déjà réuni, un groupe multidisciplinaire. Et l'ANRS a déjà financé également un grand nombre de projets sur le virus HPV. Il y a donc là des interactions évidentes entre ces deux institutions. Quelles sont les populations qui pourraient bénéficier le plus de cette recherche ? Eh bien, principalement les personnes déjà infectées par le VIH ou les personnes à risque de contamination au nord et au sud, donc à la fois les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les travailleuses du sexe, les adolescents, les migrants, qui nous semblent être la cible prioritaire de ces recherches à venir. En termes de priorité, clairement, le dépistage, améliorer le dépistage et le diagnostic paraît être une stratégie essentielle. Améliorer notamment les stratégies de dépistage basées sur les tests de ce qu'on appelle de point of care, être capable de réaliser un dépistage et d'avoir le résultat dans les minutes ou les heures qui suivent. C'est ce qui est fait par exemple au Checkpoint à Paris où a été mis en place ce type de clinique de santé sexuelle où on peut rentrer, se faire dépister et avoir les résultats dans les heures qui suivent pour pouvoir éventuellement bénéficier d'un traitement. C'est également ce qui s'est fait dans le cadre de l'étude Mémodépistage qui a été présentée à la CROI où on a envoyé par la poste finalement à des hommes qui avaient des rapports sexuels avec des hommes un kit de dépistage pour les VIH, les hépatites et les autres IST. Et cette étude a montré qu'il était faisable de réaliser ce type de recherche avec plus de 1000 personnes qui avaient répondu, qui avaient renvoyé des tests, et on avait pu ainsi dépister à la fois des infections VIH, mais aussi, vous voyez, jusqu'à 20% de personnes qui étaient porteuses de chlamydia ou de gonocoque sans le savoir. Il est intéressant de s'appuyer également sur des modèles qui ont été réalisés par le CDC, qui laissent penser que si on améliore le dépistage des IST chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, en réalisant tous les 3 mois plutôt que tous les ans, eh bien, à terme, on devrait être capable de réduire sur les 10 ans, de 40% l'incidence de ces infections sexuellement bactériennes
Et peut-être que c'est ce qu'on observe d'ailleurs en France où, sur les deux dernières années, nous avons observé, grâce aux données de Santé publique France, une stabilisation du nombre de cas de syphilis chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, peut-être grâce à un meilleur dépistage, un traitement plus précoce de l'ensemble des IST, avec peut-être un impact indirect sur la syphilis. Comme autre domaine de recherche prioritaire, la prévention et notamment la prévention et la recherche de vaccins, ainsi que d'autres préventions sur le plan biomédical ou comportemental, avec des données qui semblent intéressantes en termes de vaccination et de protection croisée avec le vaccin méningocoque contre contre la gonococcie, des projets qui devraient démarrer prochainement dans les études de PrEP. Enfin, en termes de recherche thérapeutique, là encore, plutôt que d'évaluer de nouvelles molécules, ça c'est le rôle de l'industrie, c'est plutôt à l'ANRS de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, comme celles qui ont pu être élaborées dans le cadre des essais de PrEP, où on a pu évaluer l'intérêt de la doxycycline en traitement post-exposition, avec un impact intéressant en termes de réduction d'incidence de près de 70% des infections à chlamydia et de la syphilis. Voilà une diapositive de l'OMS qui, je crois, résume bien l'ensemble des défis que nous avons à prendre en compte dans le domaine des IST, qui sont pour beaucoup asymptomatiques. On a encore malheureusement peu d'outils permettant un diagnostic précoce et rapide. Il est nécessaire également de pouvoir développer les programmes de dépistage. Nous avons à prendre en compte la résistance aux antibiotiques, à prendre en compte finalement la multiplicité des partenaires et l'utilisation d'applications de rencontres qui favorisent finalement le multipartenariat, la faible utilisation des préservatifs et puis bien sûr la discrimination, la stigmatisation des personnes porteuses de ces IST. Quelles sont les forces de l'ANRS dans ce domaine? Eh bien, finalement, sa réputation en termes de recherche dans le domaine du VIH et des hépatites, le réseau de recherche clinique très important au nord et au sud, son expertise en sciences sociales, ses recherches fondamentales avec des plateformes à la fois vaccinales et, comme ça nous a été présenté, de recherche chez les primates, le partenariat très étroit avec le milieu communautaire et les multiples collaborations avec les autres instituts de recherche, Pasteur, l'INSERM, le DCTP et les collaborations européennes. Et comme je vous l'ai dit, un certain nombre de recherches aujourd'hui sont déjà en cours sur ce sujet à l'ANRS. Et donc pour conclure, je crois qu'on peut dire que s'il existe globalement dans le monde aujourd'hui une tendance vers la diminution de l'incidence du VIH et de la mortalité, il y a une augmentation importante de l'incidence des IST qui sont devenues un problème de santé publique. Il faut capitaliser sur les synergies entre le VIH et les IST pour développer un programme de recherche en santé sexuelle. Qu'il faut améliorer la recherche dans le domaine d'un vaccin, de la prévention, du dépistage, du diagnostic précoce, du traitement, de la notification partenaire. Donc il y a beaucoup à faire dans le domaine des IST. Il faut donc tester ces nouvelles stratégies, s'appuyer sur la mobilisation communautaire et des participants, des personnes concernées, et que ceci devrait pouvoir représenter un nouveau champ de recherche à l'ANRS. Et pour terminer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette présentation, mon équipe à l'hôpital Saint-Louis et nos différents sponsors. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cet excellent panorama. Quelques questions, quelques remarques? Oui, micro s'il vous plaît. Juste avant votre question, je crois que tu l'as bien dit, le séminaire va permettre d'approfondir en fait au sein de l'agence et de mieux définir toutes les... Tout à fait. Le séminaire a pour but de pouvoir préciser les pistes de recherche les bien plus sûr. Pertinentes. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette présentation. Deux questions. D'abord, est-ce que vous pensez que l'OMS a fait une erreur, enfin, nous avons tous fait une erreur, avec l'approche de traitement syndromique qui était tout à fait... enfin, qui négligeait tout à fait l'aspect biologique ou le diagnostic biologique. Est-ce que vous pensez, reculant dans le temps, que ça, c'était une erreur stratégique? Et deuxièmement, il me semble qu'au début de l'épidémie de sida, il y avait un lien et, au fond, une communauté liée entre la communauté des IST et le VIH, qui s'est séparée avec le temps. Par exemple, on a une fondation pour... la prévention de la transmission mère-enfant, de Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, il n'y a pas de fondation pour la syphilis congénitale. Est-ce que, dans votre avis, comment est-ce qu'on pourrait recréer ce lien entre ces deux communautés qui, maintenant, il me semble, sont très, très séparées? Je crois que vous avez tout à fait raison, et je pense que même à l'OMS, comme vous le savez, il y a le programme
VIH, il y a le programme santé sexuelle, l'infection sexuellement transmissible. Et je crois que partout, finalement, on ressent le besoin de rapprocher ces communautés. C'est un peu l'objectif du séminaire que nous allons organiser à l'ANRS. On va essayer de, j'allais dire, rassembler la communauté des dermato-vénérologues qui s'est beaucoup occupée d'IST ces dernières années. Mais avec peu de recherches cliniques jusqu'à présent, peut-être n'avait-il pas à la fois les moyens, les collaborations nécessaires. Donc je pense qu'il est temps de rassembler ces communautés autour de la recherche sur le VIH, les hépatites, les IST. On voit bien que tout ça est très lié. Et on le voit de plus en plus, notamment avec la prise en compte de personnes à risque de contamination et les programmes de PrEP, je crois, ont bien souligné ce point-là. Et donc, on le voit d'ailleurs dans les conférences, où de plus en plus, dans les conférences sur le sida, eh bien, on parle et on a des sessions sur les IST. On est maintenant de plus en plus, nous, experts du VIH, invités dans les conférences sur les IST à parler de VIH et à parler d'IST. Donc, je crois que les choses sont en train, les mondes sont en train de se rejoindre. Je pense que c'est au bénéfice de l'ensemble des participants. Alors, quant à votre première question sur l'approche syndromique, on s'est bien rendu compte avec le dépistage régulier qu'on a pu faire, notamment, là encore, grâce au programme de PrEP, que près des deux tiers des IST qu'on pouvait diagnostiquer étaient asymptomatiques. Et que jusqu'à présent, finalement, comme je le dis souvent, jusqu'à présent, c'est comme si pour les IST, par rapport au sida, on ne traitait que les gens qui avaient le sida, des symptômes. On ne prenait pas en compte toute la période antérieure. Je crois que malgré tout qu'il y a encore des questions qui se posent sur l'approche basée uniquement sur les tests de dépistage de PCR qui sont extrêmement sensibles. Je pense qu'on a besoin de mieux comprendre l'histoire naturelle de ces infections, qu'on ne connaît pas encore très très bien, notamment pour le chlamydia, le gonocoque. Je pense que les recherches dans ce domaine vont nous aider à savoir si effectivement il faut passer d'une approche syndromique à une approche basée sur un dépistage. Encore faut-il avoir les bons tests de dépistage et puis être capable de bien les interpréter. Donc je pense qu'il y a beaucoup de recherches à mener dans ce domaine. Merci. Merci Jean-Michel. Merci. Merci de l'INITED. Merci beaucoup, madame. Merci, merci à vous. Je voudrais d'abord remercier François Dabis de m'avoir proposé d'intervenir dans le cadre de votre séminaire, saluer évidemment toutes les personnalités rassemblées ce soir et permettez-moi de saluer plus spécifiquement celles avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler de manière extrêmement proche, Françoise Barrassine aussi, bien sûr, Michel Kajakstine, notamment depuis que j'ai été élue à la présidence d'UNITED, Jean-François Delfrécy dans les fonctions où il était avant, enfin, avant vous, si j'ose dire, cher François Dabis, mais également depuis. Et puis je m'arrêterai là parce que sinon je prendrai le risque d'oublier trop de ces visages qui m'ont accompagné au cours des années au cours desquelles j'ai exercé des responsabilités ministérielles dans ce pays. UNITED, j'imagine que vous connaissez tous ce qu'est cette organisation internationale rattachée à l'Organisation mondiale de la santé, en tout cas en termes administratifs, même si elle développe ses programmes propres et qui, au fond, a un positionnement assez unique et pour cela mal identifié, puisqu'elle fait en quelque sorte l'interface entre les organismes de recherche et les programmes de recherche principalement implémentationnels et puis ceux qui vont permettre, les organismes qui vont permettre le déploiement à grande échelle des programmes résultant de ces travaux de recherche. Donc elle est un peu, pour ce qui est de ce qui vous concerne, l'interface entre l'ANRS et les organismes avec lesquels vous travaillez, les équipes de chercheurs avec lesquelles vous travaillez, et puis ensuite le Fonds mondial, la Fondation Gates, PEPFAR aux États-Unis et bien d'autres encore. Et à cet égard, nous sommes aujourd'hui, je crois, vous et nous pour UNITED, confrontés à un certain nombre de défis qui sont assez voisins. Et nous avons à relever ou à apporter plutôt des réponses qui aujourd'hui, je crois, doivent être renouvelées si nous voulons pouvoir continuer à répondre à la demande à laquelle nous sommes censés, en tout cas nous répondre, qui est comment améliorer l'accès à la santé des populations dans les pays les plus pauvres et comment faire en sorte que cet accès soit effectif et ne soit pas simplement un projet, disons, limité à certains secteurs.
Nous sommes dans un contexte où les défis sont très nombreux. Et je commencerai par dire, de manière que je ne veux pas provocante, mais que je veux assez claire, que le succès indéniable de la, sixième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial ne doit pas nous laisser dormir sur nos deux oreilles, et qu'à bien des égards, c'est un succès, encore une fois, indéniable, qui cache des situations d'une complexité beaucoup plus grande. Et que, à certains égards, ce succès est un risque pour nous qui agissons au quotidien dans le secteur de la santé mondiale, parce qu'il peut donner le sentiment qu'au fond, tout va bien et que les choses roulent sur des rails qui ont été installés il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années. Or, tout ne va pas bien pour au moins deux raisons, qui sont que, d'une part, nous vivons dans un écosystème qui est un écosystème construit, justement, au début de ce siècle, au début des années 2000, pour répondre aux défis qui se posaient à ce moment-là. Et le Fonds mondial, United, ont été créés pour apporter des réponses en termes d'accès à la santé pour le VIH, pour la tuberculose, pour le paludisme. Et disons-le clairement, le succès a été au rendez-vous. Le succès, il se mesure en termes statistiques, et je ne vais pas vous égrener les statistiques, vous les connaissez tous beaucoup mieux que moi. Donc ce succès, il s'évalue en termes statistiques, mais il s'évalue aussi en termes plus politiques, dans la mesure où la question de la santé mondiale a été la grande question politique internationale du début des années 2000. Et quand je dis la question politique, je veux dire avec un grand P, c'est-à-dire que c'est une question à partir de laquelle on a repensé les rapports entre le Nord et le Sud, où on a repensé la question des modèles de développement, où on a repensé la question de la manière de soigner, de la relation, évidemment c'est le grand acquis, la relation avec les populations elles-mêmes et la société civile. Et autour de ce milieu de recherche sur le sida que vous représentez, ou les hépatites un peu plus tard, ou pour ce qui est d'United, le paludisme et puis la tuberculose, on a aussi pensé une façon d'impliquer la société civile et les associations, que ce soit en France, que ce soit à l'échelle internationale. Or, je crois que ce modèle qui s'est mis en place au début des années 2000, aujourd'hui est confronté à des difficultés, je ne dirais pas des remises en question fondamentales, mais à des difficultés qui appellent des réponses, renouvelées. Et puis le deuxième défi, la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas nous laisser endormir par le succès du Fonds mondial, enfin de son financement, c'est que d'une part, il a quand même fallu que le président de la République française monte au créneau de façon personnelle et assez directe et assez volontariste pour que l'argent recherché, les sommes recherchées soient finalement obtenues. Mais indépendamment de cela, c'est qu'on voit bien que se met en place, ou s'est mis progressivement en place, un système qui tourne autour du Fonds mondial et qui est déconnecté des organisations internationales plus classiques, à commencer l'Organisation mondiale de la santé, qui était quand même la grande absente, selon moi, de cet événement. Alors, la belle affaire, allez-vous me dire. Moi, je ne plaide pas pro domo, j'étais, lorsque j'étais ministre, et je reste extrêmement, convaincue, pour être positif, que des améliorations significatives peuvent être apportées au fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. Le débat n'est absolument pas là. C'est une organisation qui ne tourne qu'à une petite partie de ses possibilités. Mais enfin, elle a quand même comme avantage principal de rassembler l'ensemble de la planète, d'avoir des acteurs différents autour de la table et de permettre la connexion avec l'ensemble des sujets de santé. Or, aujourd'hui, je crois que nous avons à relever un certain nombre de défis, et pour ma part, c'est ce à quoi je m'attelle à la présidence d'United, et je pense que nous devrions y réfléchir ensemble, parce que je crois que la France, d'une part, les organismes de recherche ANRS, d'autre part, ont des contributions à faire.
Les succès, je le disais, ils sont indéniables. Ils sont indéniables à l'échelle mondiale, ils sont indéniables, permettez-moi de le dire quand même aussi, à l'échelle française, pour avoir, avec le soutien que je ne saluerai jamais suffisamment de vous tous, avoir décidé la mise en œuvre de la PrEP et le remboursement de la PrEP, puisque ça paraît simple, mais politiquement, ça n'était quand même pas si simple que cela. Donc avoir pris cette décision et avoir pris la décision de le rembourser, ce qui a permis à la France, enfin, ou ce qui a mis la France au deuxième rang des pays qui ont autorisé la PrEP et le premier rang des pays qui le remboursaient, on voit les résultats. Ils sont arrivés un tout petit peu plus tard que ce que l'on pouvait imaginer, mais c'est quand même, pour moi, je le dis très sincèrement, une grande satisfaction de voir qu'on peut corréler directement des décisions de santé publique qui sont prises à un moment donné et des résultats en termes de santé publique. Ce qui veut dire que on a toujours intérêt à pousser les responsables politiques à prendre un certain nombre de mesures, et j'ai écouté avec évidemment beaucoup d'attention ce que disait le professeur Molina à l'instant, comme je l'avais écouté à l'époque avec beaucoup d'attention, puisqu'il a fait partie de ceux qui m'ont convaincue de la nécessité de franchir le pas, alors que j'avais moi-même des questionnements d'ordre politique. Mais ça vaut la peine de pousser les feux. Pousser les feux aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut clairement indiquer que la santé mondiale aujourd'hui a besoin de s'investir de manière renouvelée par rapport aux inégalités géographiques qui sont constatées. Pour dire les choses plus clairement, nous avons un double défi qui est paradoxal mais en apparence seulement. Le premier est que l'Afrique de l'Ouest, qui se trouve être francophone, mais enfin l'Afrique de l'Ouest, reste encore aujourd'hui le parent pauvre des investissements et des programmes internationaux, ce qui est une difficulté que nous devons porter ensemble, je crois. United est impliquée en ce sens et je serai attentive à ce qu'elle le soit davantage encore, mais il est évident qu'il faut pouvoir porter des projets et que ces projets, c'est vous qui les faites naître. Et puis, la deuxième inégalité dont nous avons à prendre en compte, c'est le fait que les standards internationaux sont aujourd'hui extrêmement rigides et au fond considèrent qu'il y a les très pauvres et les autres. Or, en matière de santé, les choses sont quand même un tout petit peu compliquées que ça. Dans des pays qui ne sont pas très pauvres, il y a des gens très pauvres. Et dans des pays qui ne sont pas très pauvres, il y a des inégalités d'accès aux soins et il y a des difficultés de la part de certains gouvernements, y compris dans des pays qui ne sont vraiment pas pauvres du tout. Je pense à des pays latino-américains. Il y a des difficultés à prendre en charge des stratégies. Et donc nous devons réfléchir, si nous voulons faire reculer les maladies à l'échelle mondiale, nous devons réfléchir à la manière aujourd'hui de proposer des réponses qui ne soient pas simplement des réponses ciblées comme le prévoit la constitution du Fonds mondial ou la constitution d'United, uniquement les plus pauvres et uniquement les populations les plus pauvres de ces pays les plus pauvres. Le deuxième défi, et il est extrêmement complexe, c'est que nous devons dire haut et fort que l'on ne peut pas continuer à soigner dans le monde en ayant des dispositifs purement verticaux, maladie par maladie. J'ai l'impression qu'on le dit depuis des années, mais il me semble que la France et les acteurs français ont une parole particulière à porter dans ce domaine, parce que la France et ses acteurs, qu'ils soient scientifiques, médicaux, politiques, chercheurs ou médecins, donc, ont une approche globale de la personne et savent bien, sans doute est-ce notre histoire, savent bien que pour soigner les maladies, il faut pouvoir s'appuyer sur des systèmes de santé qui soient solides et cohérents. Or, aujourd'hui, autant le Fonds mondial déploie des programmes massifs en direction des pays pour déployer des traitements et distribuer des traitements,
autant il ne se préoccupe pas ou peu de, des systèmes de santé auxquels, dans lesquels peuvent être mis en place ces systèmes-là. D'où un troisième, peuvent être mis en place ces programmes-là, pardon. D'où une troisième préoccupation que j'ai, et qui me semble représenter un défi de l'époque, qui est que le paradoxe est que la santé mondiale, les programmes de santé mondiale, qui sont nés dans l'effervescence d'une réflexion, je l'ai dit, qui n'était pas uniquement médicale, scientifique, mais qui était aussi sociale, et qui voulait impliquer les populations concernées, nous sommes aujourd'hui confrontés au fait que on peut déployer massivement des programmes de santé dans le monde sans se préoccuper des populations et de la société civile, ce qui, à un moment ou l'autre, se heurtera à de nouvelles difficultés. Donc je crois, parce que ça veut dire des choses concrètes, je crois que nous devons travailler à élaborer des projets innovants qui porte sur l'implication de la société civile elle-même et des représentants des malades. Et je souhaite pour ma part qu'UNITED puisse s'engager davantage pour financer non seulement des programmes de recherche scientifique, médicale, qui vont ensuite, enfin, qui sont proches de la mise en œuvre, de l'implémentation, comme on dit en mauvais français, mais aussi développer des programmes qui permettent une meilleure inclusion des sociétés civiles. Et je suis absolument convaincue pour ma part que c'est un facteur d'amélioration de l'ensemble de la santé. Alors, il se trouve que UNITED et l'ANRS travaillent de manière assez étroite. Je crois qu'on pourrait travailler de manière encore plus étroite. UNITED travaille avec des équipes françaises, avec des qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ailleurs de partenariat financier direct. Je pense dans le domaine de la tuberculose à TB Speed avec l'Université de Bordeaux. Vous aviez eu la gentillesse d'organiser une rencontre dans vos locaux au début du mois de septembre qui m'avait permis d'échanger avec l'ensemble des porteurs de projets français ou quasi-totalité, ou un grand nombre, j'en sais rien, des porteurs de projets français vis-à-vis d'UNITED. On pourrait évoquer les projets qui sont portés par Soltis, le projet Atlas pour la diffusion d'autotests dans les pays ou dans certains nombres de pays africains. On pourrait aussi évoquer les programmes qui sont portés par Alima pour développer des oxymètres de pouls et être capable d'identifier les enfants qui souffrent de fièvre et qui ont vraiment besoin d'être traités, alors que parfois la fièvre n'est rien d'autre qu'un mauvais moment, si j'ose dire, à passer, et qu'on n'a pas besoin systématiquement de donner des antipaludismes ou des antibiotiques. Bon, bref, je pourrais énumérer d'autres projets, mais je crois que l'ANRS a une responsabilité à jouer. Comme présidente d'UNITED, je ne suis pas française. Je suis présidente d'UNITED. Il n'empêche que je m'intéresse quand même à la façon dont les recherches françaises, les projets français peuvent être mis en avant et peuvent être déployés. Ma première observation, c'est que le monde s'est quand même anglo-saxonisé de façon beaucoup plus profonde que ce que l'on peut même imaginer dans la manière de poser les problèmes. Il y a des difficultés pour parfois pour des Français, des équipes françaises, d'entrer dans les démarches, ne serait-ce que cette façon extrêmement cloisonnée d'appréhender les maladies, les pathologies, est une difficulté. Je ne peux qu'encourager l'ANRS à soutenir les équipes pour que les projets soient totalement, conçus dès le départ pour pouvoir passer la rampe de regards qui ne sont pas que des regards français dans les organisations qui étudient les projets. Et je crois vraiment que l'ANRS a un rôle de plateforme opérationnelle à jouer pour soutenir
des projets français pour accompagner les projets français de recherche qui sont susceptibles d'intéresser des organismes communautaires qui, donc, encore une fois, mais vous le savez parfaitement, ne s'intéressent pas aux projets, enfin pas opérationnellement, pas aux projets de recherche scientifique pure, puisque nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir mettre en œuvre opérationnellement de manière extrêmement rapide. La deuxième observation que je veux faire, c'est que, et là, vous n'y êtes pour pas grand-chose, si j'ose dire, mais le paysage français est quand même souvent plus fragmenté que le paysage des autres pays. L'Angleterre étant le modèle avec ce ministère du développement qui est totalement intégré et qui, au fond, produit des normes, y compris sur la manière dont les équipes du monde entier répondent à des projets en matière de développement. Ce n'est pas la NRS qui va apporter la réponse à ce qui est un problème politique de manque d'unité de l'action française. Et je la regrette d'autant plus que la France est quand même un pays qui met beaucoup d'argent à l'échelle internationale pour la santé mondiale, sans que cela puisse être porté par quelqu'un d'autre que par le président de la République lui-même. Évidemment, le président de la République, il a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire, et donc il ne porte pas les défis de santé mondiale de façon très, très régulière, et c'est parfaitement normal. C'est un sujet politique, mais je crois, puisque chacun doit pouvoir apporter sa petite contribution, que l'ANRS a tout intérêt à établir, à renforcer ses partenariats stratégiques avec le ministère des Affaires étrangères, qui est le partenaire clé en la matière, beaucoup plus que le ministère de la Santé, paradoxalement, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères qui impose ou, disons, d'ailleurs, est au conseil d'administration, très concrètement, des différents organismes internationaux. Et puis, le troisième point, et là, c'est presque un appel que je vous lance. Nous avons besoin de démontrer que on ne peut pas, aujourd'hui, en 2020, en rester à une approche cloisonnée des trois maladies, comme en 2000, pour faire rapide. Et que pour mieux soigner le sida, ou prévenir, ou soigner, dépister, soigner le sida, le paludisme, la tuberculose, nous avons aussi besoin d'avoir une approche qui soit une approche plus transversale et plus ouverte. Nous avons commencé de le faire, je le dis, à United. Nous avons commencé il y a déjà quelque temps, d'abord en élargissant ce qui était un faux élargissement, si j'ose dire, aux hépatites, mais en élargissant au cancer du col de l'utérus, par exemple, et en réfléchissant à la manière dont on pouvait intervenir dans ce domaine. Lorsque j'ai pris la présidence d'United à l'été, j'ai indiqué que c'était pour moi une priorité. Priorité qui n'est pas partagée par l'ensemble des partenaires, mais que c'était pour moi une priorité. Et donc, j'ai réussi à faire voter au dernier conseil d'administration qui s'est tenu la semaine dernière, ce que nous appelons un mécanisme d'agilité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, enfin, ce qui veut dire tout simplement que nous avons mis en place une enveloppe financière destinée à financer des projets qui sont des projets à plus haut risque que les projets que nous examinons habituellement, qui sortent des cases habituelles sans pour autant aller complètement ailleurs. Il ne s'agit pas de se mettre à traiter de toutes les maladies indifféremment. Nous allons lancer un projet. Nous avons, je crois, aujourd'hui, si nous sommes... nous allons lancer un appel pour un projet sur Chagas, sur la maladie de Chagas. Donc, nous mettons un pied sur le terrain des maladies dites négligées pour pouvoir aller plus loin. Mais je crois que nous avons besoin aussi, nous, United, d'être soutenus en ce sens que des équipes de recherche montrant comment des projets ont besoin d'être
plus large que simplement les cases qui existent aujourd'hui et que ces projets soient présentés, c'est quelque chose qui serait positif. Et je tiens à dire que, pour ma part, je défendrai toujours la possibilité d'accéder à cela. Je ne veux pas être trop longue. Mesdames, messieurs, je terminerai simplement en vous disant qu'au fond, la question qui se pose aujourd'hui, elle est double. Elle est évidemment de savoir comment garantir des financements pour des projets qui vont pouvoir se développer et guérir ou soigner ou guérir des gens, leur permettre de vivre mieux ici en France, ce qui n'est pas l'objet d'UNITED, ailleurs dans le monde. Nous avons besoin de garantir des ressources pérennes, durables, qui permettent de financer nos projets. Ça, c'est le premier défi. Je m'y emploie à la tête d'UNITED pour essayer de trouver de nouveaux donateurs qui veuillent bien s'engager dans cette démarche. Mais nous avons un second défi qui est, au fond, de ne pas laisser s'installer l'idée que la santé mondiale est redevenue un sujet technique comme un autre. Que la santé mondiale n'est plus porteuse d'une vision politique du monde. Encore une fois, ce qui est frappant quand on regarde l'histoire, c'est que le succès, votre succès, vos succès, ils viennent de ce que l'approche n'a pas été technique, que l'approche a été vraiment de proposer une vision des relations entre le Nord et le Sud, et UNITED y a participé en faisant baisser le prix des médicaments, et ce sont des tas de débats que nous avons à poursuivre, puisque le prix des médicaments, trop élevé, il est posé pour maintenant, pour l'avenir immédiat, et peut-être qu'UNITED a des propositions, peut avoir des propositions à mettre dans le débat, y compris si elle n'est pas directement concernée. Mais nous avons à réfléchir, aujourd'hui, on voit bien que les décideurs publics parlent tous, ils rêvent, ils dorment, ils vivent, ils mangent en pensant environnement aujourd'hui. C'est l'environnement qui est devenu le terrain de jeu de la réflexion politique sur le monde de demain. Et je ne voudrais pas, pour ma part, que la question de la santé redevienne ce qu'elle a été auparavant, une question de solidarité seulement, ça n'est pas rien. Et la solidarité, c'est important, j'y tiens, j'y suis attachée et je la défendrai toujours. Qu'elle ne soit pas simplement une question technique, quel projet, quel programme, quel traitement pour quelle population, mais qu'elle permette tout simplement aussi de construire de meilleures relations dans les pays concernés, entre les gouvernants et les populations civiles, qu'elle permette de mettre en place des systèmes de santé plus durables, qui accueillent même le jour où nous ne serons plus dans ces pays-là, qui leur permettent de continuer d'être soignés, et qu'elle permette aussi de refonder de façon plus durable les relations entre les pays dits industrialisés, les pays développés et les autres. Voilà en tout cas la feuille de route que je me suis fixée. Je veux vous dire que je compte beaucoup sur vos suggestions, vos projets, vos programmes, parce que j'aurai évidemment à cœur, présidente internationale d'UNITED, de jeter un œil particulièrement bienveillant sur les projets français, toujours. Merci à vous.